Bonjour. La moitié. Je n'accepterai pas moins de la moitié de l'argent et la moitié des biens immobiliers. Tu es ridicule. Tu trouves? Je pourrais très bien demander la totalité. Est-ce que tu sais que je pourrais obtenir la totalité des biens et pas la moitié? Baliverne. Tu te rappelles mon petit voyage en Haïti et mes cours de vaudou? Ça n'est pas drôle. Je pourrais très bien te tuer et tout récupérer. Et tu sais que faire la différence entre une mort naturelle et un mort dû au rite vaudou, ça n'est pas si facile que ça. Allez. Mais puisque tu n'y crois pas, pourquoi est-ce que tu ne veux pas essayer? J'ai tout ici. La poupée, les aiguilles, la bougie. Il me manque qu'un petit échantillon de toi. De rognure de tes ongles. Un de tes cheveux. Superstition. Je vais te faire une proposition honnête. Si ça ne marche pas, je ne te réclame rien. Si ça marche, j'hérite de tout, automatiquement. D'accord. Va chercher ta bougie, ta poupée et ton aiguille. Mais sans que ce soit un peu court. Je vais te chercher quelques cheveux. Monsieur Descaires fut surpris du résultat, mais plus heureux que navré. Bien que sceptique au sujet du vaudou, il avait toutefois fait preuve de prudence, ce qui correspondait à sa nature profonde. Par ailleurs, il a toujours été exaspéré par l'habitude qu'avait sa femme de ne jamais nettoyer sa brosse à cheveux.